Ouais, ça fait longtemps. Wesh. Attends, j'essaie de m'installer dans mon nouveau setup. Je me suis acheté un siège. Enfin, je pourrais plus dire que je suis plus calé. C'est plus qu'un siège, c'est carrément un siège baquet. Est-ce prêt pour jouer à la F1? Eh ben, il fait méga chaud. Je transpire comme un porcasse. Mais sinon ça va. Ça va, ça va. Et je sais pas où mettre du coup mon téléphone. Bon écoute, je vais le mettre là. Ça verra bien. Bon, et toi, quoi de beau depuis le temps? Ouais, qui c'est qui baille? T'es fatigué? On n'a pas commencé. Intelligent. Bon, on avait fait cette quête, il fallait la rendre. Faut la rendre où? Faut la rendre le. Ouais, j'ai entendu ça. J'ai entendu ça. T'as fait des potes. L'insociable a fait la sociable. C'est bien. Faut faire des potes. Il est parti où, mon bonhomme? Je sais pas. Bon, on va prendre la quête qui est à Perpète les Olivettes à tous les coups. Elle est où? Elle est où? Elle est où? C'est celle-là, là? Ouais! Ah, le bâtard! Et moi, je suis. Et ben on va aller à Blancherive. Et on va aller à Marcarat. Marcart. Marcart. Putain, ils ont des noms de ouf. Ah non, on va aller là, beaucoup plus simple. On va à Fayez. Fayez, direction Fayez qui doit être là-bas. Exactement. Allez, en route, mauvaise troupe. Bon, tu me dis que t'as fait des potes. Ben, c'est bien. Est-ce que t'as arrêté tes conneries? J'ai eu vent de conneries. Moi, j'ai perdu mon pote. Tant pis. On fera sans lui. Tant que j'ai mon fantôme. Putain, il va me servir. Toi, tu vas goûter à mon fantôme, le gars. C'est un assassin. Un assassin de la même race que moi. Tu vas m'assassiner? Enfoiros, on était des frères de race. Et maintenant, tu flottes. Tel un étron dans la cuvette des chiottes. Alors, ça j'en veux pas, ça j'en veux, ça j'en veux, ça j'en veux. Note d'un assassin. Poison de peur, je m'en fous. Par contre, ça, je vais voir ce que c'est. Ben c'est bien, t'arrives après la guerre, ça fait plaisir. Tu le dis, hein, si tu veux te balader pendant que je risque ma vie. La note de l'assassin, qu'est-ce qu'il disait l'assassin? Alors, tac, tac, tac. Ah ben elle est où? J'en ai plein des notes d'assassin.
Comme convenu, vous devez éliminer l'authentique par tous les moyens. Le sacrement reste effectué. Nous avons déjà reçu le paiement. Astrid, elle veut ma peau, Astrid. Est-ce que c'est la même que la dernière fois? C'est toujours Astrid. Je sais pas ce que j'ai fait à Astrid, mais... elle veut me dézinguer. Oh, un cheval. Ah non, c'est pas un cheval. T'es pas un cheval, toi? Parce que j'avais besoin d'un cheval. Un cheval. Qui c'est qui parle? Ah non, c'est mon fantôme qui a dû mourir. Putain, mais il y a des bruits bizarres ici. Oh. C'est toi qui fais ça? Arrête de me faire flipper. Pas si t'es toujours là, petit poulet. Du coup, t'as toujours pas de téléphone portable. Tu piques celui à ta sœur. Loup. Mais je suis pas. Ah, mais c'est toi, mais tu me fais peur à chaque fois. Le poulet a dû repartir. Ouais, c'est par là, ça va, c'est pas très loin. C'est par de là la montagne. Pourquoi j'entends un bruit bizarre moi dans le truc, c'est ça? Ah, c'est peut-être ça. Putain, j'ai trop chaud, je dégouline. Truc de fou. Et je fais n'importe quoi. Mais je vais y arriver, je vais y arriver. Il faut le temps que je m'y remette. Comment je suis arrivé là? Moi, j'avais pas de cheval à la base. Je suis pas fou, il y a des bruits chelous dans ce micro là-haut. Pas loin. Forcément à pied, ça met un peu plus de temps. Oh putain de merde. Ma musique préférée. Tais-toi l'ours, j'écoute ma musique. Chut. Il va y avoir du piano. Fatigué toi? Tiens, je te fais du courage, tu vas défoncer le nounours. Et voilà. Trois pièces l'ours. Bon, je disais que je suis calé comme jamais. Et j'ai fait des emplettes. Un presque achat compulsif. Mais qui n'en est pas un en fait. C'est un achat réfléchi. J'explique. D'abord, je vais manger un peu parce que j'ai faim. Blanc de poulet, c'est cuit ça? C'est pas cuit ça.
Donc, j'ai joué il y a un petit moment de ça, une centaine d'heures sur F1 2021. Puis après, j'ai laissé tomber. Au bout de 100 heures, j'estime avoir fait ce qu'il fallait. Est-ce qu'ils sont gentils ceux-là? Et un de ces quatre, ça m'a pété. La semaine dernière ou la semaine d'avant. Ouais, ça reste en pépère. Je chasse et je pêche par ici depuis des années. Eh ben c'est bien, continue. Et ça m'a pété, je me suis dit, j'aimais bien quand même. J'étais vachement pris dedans, je me sentais comme un pilote. Comment, qu'est-ce que c'est ce bordel là? Laisse-moi raconter mon histoire. Voilà, tout ça pour ça. Les vivants ont raison de craindre les morts. Exactement. Donc, je me suis rappelé que il y a de ça plus de 10 ans, je crois que c'était en 2005, 2006, 2007 peut-être, j'avais acheté un volant qui était pas mal à l'époque. Un volant retour de force avec le jeu GTR 2. Simulation de course automobile. Et j'y avais pas joué longtemps parce que c'était la galère. J'avais pas l'équipement, je m'étais confectionné un espèce de support pour mettre le volant. En fait, c'était un tiroir, je crois. Un tiroir que j'avais tout pété, j'avais juste gardé le cadre. Oui, où le machin là? Putain, mais je suis loin. J'avais gardé le cadre et du coup j'avais accroché le volant dessus. Mais bon, c'était un peu branlant quand je commençais à tourner à droite-gauche. Ça pliait un peu, du coup je l'avais attaché avec une sangle, ou je crois que c'était même une ceinture pour le renforcer. Enfin, je m'étais démerdé comme j'avais pu à l'époque, mais ça m'avait un peu saoulé, c'était pas très pratique. Du coup je l'avais laissé au garage ce truc. Et je me rappelais qu'il était quand même pas mal. Donc je me suis dit, on sait jamais, si ça marche. Je suis gagnant, je vais essayer de le récupérer, même si ça fait 10-15 ans. Je vais essayer de le récupérer. Conduire à n'importe quelle capitale. C'était Marc Arat. Voilà. Remontez et nous partirons. Et du coup, j'ai essayé de le. Oui, c'est bon. Mais t'es con ou quoi? Ah non, mais c'est bon, c'est moi qui déconne. Laisse-moi tranquille. Du coup, j'ai essayé de le retrait, de le récupérer pendant un combat, mais je combats pas. Qui c'est qui combat? Ils veulent pas que je finisse mon histoire. Bah, du coup, j'ai appelé mes parents, ma soeur, pour savoir où c'est qui est le truc. D'où je combats? T'as vu où ils sont loin, les machins? Allez, ça se passe là. Et effectivement, il était dans le garage, donc. Je me suis fait plaisir pour aller avec. Je me suis acheté une espèce de. Je sais pas comment ça s'appelle en fait. Oh là, il y a du monde. C'est une espèce de. C'est un siège baquet avec tout l'armature pour poser le volant et les pédales. Et le pédalier. Du coup, c'est grave kiffant. Je me régale sur la F1. Et en plus. J'ai un siège baquet, quoi. Je suis stylé là-dedans. Et je suis posé. Ils font quoi les cons là? C'est là-bas que ça se passe. Ah ouais, d'accord. Tu veux me faire du mal là. Et du coup, j'ai fait une pierre de coups. C'est pour ça que c'est pas un achat compulsif. Mais laisse-moi tranquille, tu vas me tuer toi. J'ai viré mon vieux pouf où j'étais mal assis dessus, mal installé. Et j'ai installé ce siège baquet. Du coup, je suis hyper calé. Calé comme jamais. Et c'est un vampire. Petit peu de courage pour l'ami. Voilà.
con quoi, prends du courage. Il est chaud le vampire. Elle veut pas. Voilà, du coup je suis archi-calé, ça fait plaisir. Ça faisait des années que j'en avais marre de ce truc. Ça, ça défouraille un peu me semble-t-il. 41 en armure, c'est pas dégueu. Hein. Botte de vampire, c'est moins bien. Oui, je sais, je suis trop lourd, mais je vais filer ça à mon pote. Puissent les dieux veiller sur vous. Je pourrais tout garder. Ah, je plaisante. Je crois qu'il a tellement de trucs, le gars, au bout d'un moment, il pourra plus. 52, ça. Ah ouais, mais ça, c'est ton truc à toi de ouf, là. Il avait un truc aussi, c'était... Il n'avait pas une autre armure. Ah, 57. Il avait pas mal aussi. Ah, il est même pas mal du tout. Bon. Botte de cuir, mais c'est pas... Ça, c'est botte de vampire. Passez devant. T'es décédé, je te soulève. Hey, je vais te jeter par-dessus la barricade. Voilà, une. À la 2 et à la 3, pas du tout. Alors attends, je fais quoi moi? Pourquoi je suis pas là à Marcat? Parce que je me suis fait attaquer. Je discute. De toute façon, quand je suis sur ces lives-là... Enfin, maintenant, je fais plus que des lives de Skyrim. Quand je suis sur Skyrim, je prends mon temps, je me fais kiffer. Et c'est très bien comme ça. Allez, go. Besoin d'un chariot ? Où souhaitez-vous aller ? Loin. Remontez et nous partirons. On pourrait rêver mieux comme temps. Oh putain. Je crois qu'en me battant contre le vampire, j'ai chopé une maladie. Ouf, ça m'a viré là. Ah non, c'est le trajet. Alors ça on s'en fout, fatigue ok, froid, c'est ça là. Les armures légères et lourdes encaissent des dégâts moins, le repos est moins réparateur. Et merde, je l'ai à la maison la potion. Ça c'est con. Qu'est-ce que je fous à Mortal, moi? J'ai pas dit que je voulais aller à Mortal. Pourquoi il m'a foutu là-bas, lui? Peut-être que j'ai dit que je voulais aller à Mortal. Je suis pas sûr, quand même, hein. Oh là là! Il n'y a pas de cheval en plus ici. Pff, loin là-bas. Putain, on sait que je vais pouvoir me soigner maintenant.
Avec un peu de chance, j'en ai un dans l'inventaire. Même si je crois pas trop. Ah, est-ce que je rentre chez moi? Chez moi, c'est loin. C'est ici. Ouais, au pire, hein, je vais à Blanche Rive, tant pis. Oh là là, mais c'est pas vrai. Bon, on va se faire lui. Non? Bah écoute, hein, s'il veut pas, j'ai pas le temps. Il viendra me chercher s'il a envie. C'est pas là du tout. Il faut tourner par là-bas. Ah mais je suis en train de me geler en plus. Oh là là, ça sent la merde quand même. Frais chemin, c'est possible que je descende là. Oh, c'est sûr même. Je passe par là, mais c'est n'importe. Laisse tomber, je fais n'importe quoi. Et c'est bon, on a compris, je suis tombé. Allez. Ah ouais. En fait, j'aurais pu... Ah, laisse tomber. Je fais quoi? Je recommence? Les hors-la-loi et les brigands sont la pire des vermines. Bon, on va essayer de faire pareil, mais en mieux. Alors que je suis en train de suer à grosses gouttes. Ah, c'est le chasseur. Ça c'est fait. Ah, ça va aller cher ça. C'était la même armure. Bon allez, je la prends. Ou pas. Bon, il y en aura d'autres des vampires. Tiens, ainsi c'est fini. Nous chassions ce monstre depuis longtemps. Ok, moi je... soit avec vous. Je suis pas malade, donc c'est déjà un bon truc. On continue. Je suis pas un peu méga faim là. Pas suffire ça. Merde, pourquoi j'avais mangé deux? Pff, oh, je fais vraiment n'importe quoi là. C'est le début, hein, ça va aller mieux après.
Là, je commence. Tranquillou, pas mal d'erreurs. C'est pour aller crescendo, tout ça. Un jour, peut-être, je ferai de l'alchimie. Ça m'étonnerait. Je sais même pas s'il y a des trucs intéressants à faire avec l'alchimie. C'est quoi ça? Voilà. Bon, mais maintenant qu'on est là, on se ferait pas un petit truc là? Un petit donjon vite fait? On va passer par la sortie. Oh, presque du premier coup. Qui va mourir. Merde. Peut-être j'aurais pas dû rentrer direct. Surtout si j'ai pas les copains avec moi. Ça rigole pas. Expert. Pas vraiment, pas vraiment. Hey, y a bagarre. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait le tour. Écoute, hein, faites votre truc. Visiblement, ça bastonne. Je gagne du temps comme ça. Chacun s'occupe de son coin. Ah non, non, reviens. Reviens, je me sens en sécurité quand t'es là. Quand t'es pas là, c'est pas pareil. Ça ressemble légèrement à l'autre, hein. Que ce bordel. Ah, t'es passé par là et t'as fait le ménage. T'as pas rigolé, toi. T'as un loup sympa ou t'as un loup relou? Parce que si t'as un loup sympa, je te libère. Mais si t'as un loup relou, tu m'as l'air un peu narvalo, toi. Ça va, le loup? Je t'appelais Loulou. Loulou, Loulou. Bon, je vais t'ouvrir. Si tu me niques, ça va pas le faire. Oh putain. Et voilà, je te l'avais dit. Et mon copain, il a pas rigolé. Hein. Coup de panard dans la mâchoire. Tassement des cervicales. Et terminade, le lieu. Le lieu. Quoi? Non, ouais. Je veux juste que tu te pousses, en fait. Par toi.
Oh là là, tu m'énerves. Quoi ? Va là-bas. D'accord. Bon, du coup, faut aller là. Je reviens sur mes pas. Non. Sûrement que si. Envoyez-leur les chiens, les gars. Oh oh. Passe à travers, lui. Oh, mais non, je vais recommencer du début. Non, ça va. Il y avait du checkpoint. C'est chiant, là. C'est un peu chiant. Personne. Passe-t-il, moi je repars. Je te laisse avec mes copains. Tiens, vas-y, je te suis. Je sais que tu vas y aller. Il est temps d'en finir. Bim. Ah, oula, je t'ai pas vu. Là. Eh, fais pas des trucs de fifou là à travers les murs. Hein. Ça, c'est pas bon ça. Hop là, voilà exactement ce qu'il fallait. Avec un petit peu de courage. Allez, sois courageux. Tire. Qu'est-ce qu'il fait là? Il se la joue sniper. Qu'est-ce qu'ils font avec tous ces loups? Mais... Chien. Je sens une présence. Maintenant je meurs avec les pièges. Hein. Un coup. C'est nouveau ça. Il est mortel celui-là. Ouais, ça bat bien quand même. Hein. Malandrin. Ah, c'est un mec d'une quête, ça, à tous les coups. Bon, je vais éviter de faire le con. Voilà. Qu'est-ce qu'il a eu ? De spécial, pas plus. C'est des poteaux ça? Ah oui, c'est des poteaux. Ah ben voilà.
Même s'il n'y a rien, ça m'exerce. Mais t'es con. Il a défoncé les loups. C'est pas moi. Mais c'est n'importe quoi ça. Il n'y a plus de vie ici. Trop con les loups. Hein. Qu'est-ce que ça peut leur foutre que j'ouvre un truc fermé? N'importe quoi. Il préfère rester enfermé. Expert, ça va être un peu tendu. Pas tant que ça. Qu'est-ce qu'il y a? Je crois que c'était des patates. Langue de dragon. Non, il doit y avoir un truc de fou. Quoi? Tas de sel. Ça, je prends le sel. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une fleur. Nul. Vas-y, mais j'ai même pas envie de l'ouvrir à lui. Il va me bouffer. À l'aide, quelqu'un. Qui? Bon, attends. Il y a peut-être un truc à faire ici. Qui tu t'en vas où? Qu'est-ce que tu racontes toi encore? T'es qui d'abord? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Attends, là je me suis fait avoir par un piège que j'avais pas vu. Je sais pas où il est. Là. Et j'ai marché sur quoi? Sur ça. Si j'y balance le loup, ça fait quoi? Il y a un coffre, c'est bien ça. Attends. Mais après, je vais être coincé. Je crois que je vais... Merde, je vais pas prendre le marteau. L'arme, j'en veux pas de ce marteau. Il est tout pété en plus. Bouclier, tout pourri, crochet, des pièces, de la merde en somme. C'était nul.
porte. C'est encore des trucs tout pété, moi ça m'intéresse pas. Hein. Filtre du chevalier. Il se passe quoi avec le chevalier? Je veux même pas savoir. C'est nul. C'est nul, 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 nul. Je kiffe les loups ici. Hein. Toi je t'ouvre même pas. Reste là. Reste ton chien, le loup. Il y a un truc à faire puisqu'il y avait une meuf qui gueulait là. Comment? Oh là là, il va me envoyer une flèche. Lui. À la base, j'étais avec un collègue. Hein. Il est où le collègue? Bon, attends. Quoi? Le loup il m'a filé une maladie, mais ça fait chier ça. Hop, épélier, je suis gaucher, qu'est-ce qu'il y a? Par contre, je fais pas mal. Hein. Pas se mentir. Oh merde. Pas se mentir, je fais pas mal, hein. Quoi? Putain, il est nul à chier, mon gars. Il m'a même pas aidé. Mais j'avais bien intuité, pas de panique. Je savais que j'allais mourir comme une merde. Sinon je fais ou sinon je fais je sais plus où c'est je vais y arriver voilà, déjà ça c'est bien. J'y pense jamais. Truc à lui. Non. S'il veut lui. Bagarre de loup. Mais qu'est-ce que c'est ici? Ah, ça se trouve, il y a des combats de loups. Clandestins. Oh! J'ai pas y passer tous mes crochets. C'est abusé. Bon. Ça me plaît, ça. Moi, je ramasse tout. Enfin, tous les sous. J'ai des combats là. Note du bandit. Le chef dit qu'il a trouvé un acheteur pour l'épée qu'on a trouvée dans les caisses d'en bas. Il dit qu'on doit la livrer dans la grotte du croc cassé. Ah, ça va être une épée un peu spéciale. On prend les sous, on prend les sous, on le sait qu'on prend les sous. Non, je veux pas l'arc. À la limite, je peux prendre ça. Et celle-là s'il faut. Et celle-là aussi.
Bon, ça doit être là-dedans. Résistance à la magie en... Je m'en fous. De l'ambre, je sais pas ce que c'est, mais je prends. Crochet, toujours, évidemment. Ouh, du lore. Du lore. Bon, on a nettoyé, là, c'est bien. Oh, bordel. J'irai après. Viens par là, l'ami. Lui, il est dead. Bon, on peut y aller, ça sert à rien. Oui, oh, il me fatigue à se battre entre eux là. Il fait quoi mon gars? Il est là. Allez, on ouvre ça là. Hop là, bagarre. Bim. Allez, c'est costaud lui. Un loup des glaces. Un loup dégueulasse. Mon petit loup. Il est mort patte en l'air. Tout le monde là. Oh là. Ah non, je voulais dire tout le monde la patte en l'air, mais non. Passe des trucs étranges ici. Ah, bien joué. Ici. Peut-être on va enregistrer. Bon, mon collègue, hein, comme d'hab, il fait sa vie. Hein. Il est censé me protéger, mais pas obligé. C'est comme il veut en fait, comme il le sent. Je sens Ratanas. Elle défonce le Ratanas. Ça là? Non. Un hôtel. Une porte. Un tonneau. Ah voilà, putain, moi qui veux tout le temps du sel. Oh oh. Qu'est-ce qu'il fait Ratanas là? Va-t'en. Il n'y a plus de vie ici. Balek, balek. Peut-être qu'il y a du sel. Non. On va carrément aller là-bas. Hein. Eh ben. Putain, je tout le temps manque de sel. Là, je fais le plein. Hein. Je peux plus. Alors, cuistot, qu'est-ce qu'il veut le cuistot? De la viande. Toujours de la viande, ils ne veulent rien d'autre. Je leur fais des succulents poireaux grillés et ils me l'ont jeté à la figure. Ah les bâtards! Je leur ai dit qu'ils m'apportaient du poisson ou du gibier, je leur cuisinerai. Blablabla, j'ai moyen de leur trouver de la viande. Bon, d'accord, la viande.
pas ce que c'est ici, mais... C'est chelou. Hop là, je suis coincé là. Ah ben voilà. Par derrière. Je le sentais venir en plus. J'ai eu la prétention de croire qu'ils étaient qu'un. Ça veut rien dire ça. Non, faut que je reprenne tout le sel et tout là. Oh putain non, je suis où là? C'est derrière mon gars, c'est derrière, t'énerve pas. Oh putain! Allez, allez, allez! La magie, faut qu'elle revienne la magie! Putain, j'ai mon micro qui baisse au fur et à mesure. Ça fait longtemps que j'avais pas tué quelqu'un comme ça. Ah ouais, je vais avoir un problème en fait, mon micro il baisse petit à petit. Et je vais le retrouver dans mes genoux. Bon, il y en avait un autre là. Bon, non. Pendant un combat, mais bien sûr. T'as pas l'impression que je combats rien du tout. Qui? Oh putain, il y a trop de monde en vrai. Hop là, laisse tomber. Hein. Ah ouais, non, là il faut mon collègue. Hein. Je crois qu'il est mort. Oui, je suis un lâche. Il se fait victimiser, miskin. Oh là 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 là. J'espère qu'il aura mis au moins un coup, hein. Je suis pas sûr. T'as vu la strat? Ah, je suis un génie. Impossible. Tu peux pas là normalement. Ouvre la porte toi. Voilà. Pourquoi il n'y en a plus? Problème là. Est-ce que je peux dormir une petite heure? Même pas. Voilà, elle était toute seule. Lui, il est tout seul. Ah là, ils sont trois. Deux. C'est le GG là. Voilà. Ça va passer, ça va passer. Hein.
Voilà. Voilà la strat. Ah bon ? Encore des gens ? Non, non, mais il faut rester là. Hein. Parce que... Ah, il aura servi la... Ah, le bâtard ! Il aura servi la viande des loups qui sont morts. Ça je prends, ça je prends. Épée orque, non. Ah, chaleur, avec ça t'es bien. C'est pas con ça. Pour le froid. Ah ouais, mais tout ça c'est que du chien. Bon, apparemment il y a un combat, il est où le combat? On va le finir là. Après je monte mon micro parce qu'il est en train de tomber. Hein. Hop, attends, j'ai pas vu ça. Ouais, ça sert à rien, je peux pas prendre. Ah voilà. 2 heures. Comment? Ah ben voilà, t'es là toi. Bon, mais je vais me mettre là, je vais me poser. Bah attends du coup. Mais voilà, y a plus personne en fait. Je peux faire ça. On va regarder les gros trucs là, soupe au chou. Ouais, super. Pomme de terre. Soupe au chou. C'est quoi qui... Ça pèse lourd en fait ça. Bah ouais, maintenant je suis trop lourd. Je suis trop lourd maintenant. Bien joué. Poulet grillé. Poisson. Il manque un truc. C'est bon, maintenant je suis trop lourd. Mais on va manger un truc. Comme quoi la bouffe ça pèse en fait. Putain, c'est pas suffisant. Qu'est-ce que c'est? Ça, ça pèse jamais rien, ça. Boîte à légère, c'est les miennes. Canne à pêche. Et du saumon. Une arme, mais j'ai pas d'arme. Si, j'ai ça, mais... Ça, ça pèse pas lourd, les potions. Elle est bien chère, celle-là, fais chier. Celle-là aussi. Allez hop, c'est quoi, je la prends. Cul sec. Bon, on va se poser là. On va se poser, c'est pas là que je voulais me poser. C'est à côté de tous les cadavres. Ici, là, on est bien. Voilà. On se met comme ça, y a pas une autre vue?
Si, voilà, on est bien là. Tranquille, Emile. Allez. Hop. Voilà, on se met là, on est bien. Voilà, il est fatigué. On se pose, on est bien. Sur ce, je vous dis bye bye. Et à la prochaine.